chez Carlos et Victoria pour tout à l'heure. Tu peux finir les restes de macaroni d'hier soir. T'es sûre qu'il y a que ça à manger? Ok, tu peux aller au kebab. Bon, à tout à l'heure. Et bon appétit. Arrive, on reste positif et on parle pas de ce qui s'est passé avant-hier soir. Non, là, je suis bien contente que tu sois là. Parce que, tu sais, vu que t'as couché avec mon mec, on peut un petit peu dire que tu fais partie de la famille. Victoria, ton repas est dégueulasse, mais tes bougies sont très jolies. Je te remercie beaucoup, Lola. Depuis que ton mari, Karl Mayer, t'a quitté pour sa secrétaire, je précise, tu as beaucoup changé. Je peux vous parler, s'il vous plaît? Bon, les filles, on a une invitée, vous arrêtez votre numéro maintenant. Mais c'est elle qui a commencé! Non, c'est elle! Ça suffit! Bah, Miss Bonella, qu'est-ce que vous faites? Oh, I'm looking for a fork. Dites, je sais que c'est un sujet délicat, mais vous savez à propos du corps qui a été retrouvé? Je suis sûre que Madame Marwhite a un lien avec ça. Mais je pense qu'elle avait un complice, parce que pour enterrer toute seule une petite fille morte... Vous croyez qu'on devrait prévenir la police? Mais moi, je pense que si elle l'a tuée, c'est qu'il y avait une raison. Malheureusement, pour les Solis, la moitié de leur maison avait été ravagée par l'incendie. Je suis vraiment désolée pour ta maison, Victoria. Ouais, c'est pas grave. Puis de toute façon, Papy peint une piste dans le salon, on avait un peu marre. Leur fera. Bon, d'après les gars de l'assurance, il y a au moins 2 mois de travaux avant que la maison soit habitable. Je sais! Vous n'avez qu'à venir à la maison. On est toutes les deux seules avec Juliette. En plus, on a une immense baraque. Puis ça me permettra de moins culpabiliser. Ouais, c'est une bonne idée. Bon, bah, on y réfléchit et puis on passera en fin d'après-midi. Ok. Ok, bah, tout à l'heure. Ouais, ouais. À tout à l'heure. Tiens, les Solis. Dites-moi, c'est une impression ou votre maison est plus petite? Non, non, c'est rien. On a juste eu un petit accident pendant... Ah, c'était donc ça l'odeur de chien mort dans la rue? Dommage que je ne sois plus entrepreneur. J'aurais pu vous vendre la jolie petite maison là-bas au coin de la rue. Mais il n'y a pas monsieur Chopta qui habite? Ah oui, non, plus maintenant. Figurez-vous que ce vieux papy a voulu réparer son tracteur tondeuse et que pendant qu'il était en dessous, cet abruti a laissé son petit-fils jouer dessus et il l'a mis en route. Ça devait pas être très beau à voir.